Hello everybody, this is Fipe. Je commence rapidement car je suis devant la concession, faut que je vous montre ça, c'est trop ouf. Je suis devant une des concessions les plus incroyables de Los Angeles. On est à Newport Beach. C'est parti, je vais vous montrer ce qui s'y trouve. Que des hypercars, c'est incroyable. Vous voyez ces motifs pour le film Transformers, dans le thème de Transformers. Et bon, ça fait perdre un peu de la classe à la voiture, je trouve. Par contre, cette Koenigsegg Trivita, déjà les gens, si j'aime bien. Et regardez le carbone. Il est genre blanc grisâtre avec des petits liserés de carbone noir comme ça. Très sympa. Et regardez. Mayweather, Floyd Mayweather, car elle lui appartenait en fait, tout simplement. Champion de boxe. Il y a une belle voiture avec carbone et du beau bleu marine un peu. Je vois ce fameux rétro. Et la Bugatti qui appartenait, elle, à Arnold Schwarzenegger. Je l'ai déjà filmé chez Bugatti à Beverly Hills, mais maintenant elle est ici, elle a été vendue. Et apparemment, elle est déjà remise à la vente. Peut-être que quelqu'un l'a acheté pour gagner de l'argent dessus, tout simplement, en la revendant. Jaune fluo SV coupé avec le petit logo SV ici, parce qu'en fait ça c'est une option sur les aventadors SV où vous prenez l'option du petit logo en bas, c'est assez rare, sinon il y a l'option du logo ici, le gros, le même logo, ou bien aucun logo, aucun autocollant, c'est en option. De ce côté là, SLS Black Series couleur moutarde. Et derrière, une performante, une autre SV et une 911R. Ça reste assez rare, mais j'avais déjà vu exactement la même configuration dans le sud de la France. C'était peut-être elle. Bon alors voilà, je vais vous filmer les voitures de l'extérieur, on les voit assez bien heureusement. Donc là, la Ferrari noire, intérieur rouge. KLF, j'essaie de me coller assez vite pour qu'il m'en montre, qu'il fasse de l'ombre tout simplement. Donc là, voilà, on a un truc de malade, c'est une Pagani Zonda Barchetta. Barchetta parce que elle est coupée comme ça, le pare-brise il est coupé, elle est décapotable, genre il n'y a pas de toit, genre on peut pas mettre de toit. C'est le principe de cette Barchetta et c'est tout dernier modèle de toute dernière variété de Zonda créée par Pagani. Celle-ci n'est pas à vendre, elle appartient à l'usine, on va dire, ou à Horacio Pagani lui-même, le créateur de la marque. On regarde le volant en bois et je crois qu'ils en ont fait, ils en produiront 5 seulement. Pas sûr à 100%, mais je crois. Maintenant que j'ai fini de filmer le line-up, dites-moi laquelle vous choisissez dans tout ce line-up. Genre, vous rentrez, vous repartez avec une, vous la choisissez. Voilà, donc c'est situé au bord d'une grande route. Vous passez, vous voyez ça. Ça choque
assez, je trouve, de voir une LF noire, deux Bugatti, une Pagani, Koenigsegg. Et au passage, j'ai pas dit où on était, on est chez Illusso. C'est une concession qui vend que des hypercars principalement. Ils sont spécialisés dans les hypercars. Voilà, et on est non loin de chez Lamborghini Newport Beach où je viens de filmer un rassemblement. Donc la vidéo est dans ma chaîne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu. Et n'oubliez pas surtout de me dire en commentaire laquelle voiture vous préférez de cette concession, laquelle vous choisiriez si vous pouviez. C'est parti, à bientôt pour de nouvelles aventures.